Politique. Et comme vous remarquez, nous sommes derrière, nous sommes devant la statue de Mandela. La ville de Kinshasa, je vais passer visiter la ville, elle est super belle. Et on ira à la rencontre, peu importe, non, tu peux prendre. Welcome. Oui, bonjour. Je suis Jos Kevin Bakabana, un fils du plateau. Plateau des 15 ans au Congo-Brazzaville. Un peu plus précisément pour ceux qui connaissent le plateau à côté de l'école 8 mars, le CG 8 mars, dont beaucoup ont passé leur temps, hein, notamment en pensant aux championnats qui se sont beaucoup passés au CG 8 mars. Donc voilà. Bon, je me retrouve en Afrique du Sud. Pour la simple raison que l'Afrique du Sud est en Afrique, d'abord, et c'est à 4 heures de Brazzaville. Et il est toujours très bien d'être près de sa nation, de son pays, hein, pour une ou deux raisons, notamment l'accès facile. Et se retrouver en Afrique du Sud, c'était beaucoup plus aussi pour les études dans le domaine de la médecine. Qui, étant à Brazzaville, étant à l'INSA dans un premier temps, et vu les troubles et les petits dérangements qu'il y a eu au Congo, alors j'ai opté à travers certains conseils que j'ai pu avoir de certaines personnes qui avaient déjà mis les pieds en Afrique du Sud, qu'il valait mieux pour moi de venir en Afrique du Sud. Et l'Europe, bon, c'est bien, mais ce n'était pas vraiment pour moi. Je suis africain et j'ai beaucoup souhaité me retrouver en Afrique. Est-ce que c'était pour la langue anglaise qui vous intéressait ou peut-être c'est ça ce qui a joué pour votre choix pour l'Afrique du Sud? Oui, l'anglais, c'est quelque chose qui, que j'ai toujours gardé. Je me rappelle, étant au collège en langue édouard, hein, que vous connaissez bien, on aimait bien l'anglais, hein. Avec les amis dans le quartier, on s'amusait à dire un ou deux mots en anglais. Et c'était une opportunité justement pour pouvoir développer, approfondir cette connaissance et de connaître aussi cette culture de l'Afrique du Sud qui venait et qui était en train de sortir d'une période d'apartheid qui venait de s'ouvrir au monde international. Donc c'était une
très bonne opportunité. C'était un risque aussi à prendre parce que en cette période, je suis arrivé en 94, septembre 94 pour être précis, et beaucoup avaient encore peur de venir en Afrique du Sud. Mais j'ai pris le risque et puis bon voilà, ça s'est bien passé jusque-là, je peux vous dire que ça va. Bien, j'arrive en Afrique du Sud en septembre 1994 de Johannesburg. Dans le temps, l'aéroport, on l'appelait Jan Smuts. Aujourd'hui, c'est O.R. Tambo. Alors, je me retrouve à l'aéroport et d'emblée, je suis arrivé sur Pretoria. Donc, je n'ai pas fait escale à Johannesburg. Je me retrouve dans un quartier qui était encore assez raciste, je veux dire, qu'on appelait West Park, à Pretoria West. Ou même, pour dire en passant, lorsqu'un noir passait devant une maison, le chien aboyait. Et quand un blanc passait, le chien était tranquille. C'était un petit traumatisme, et je me suis dit, mais dis donc, où me suis-je lancé? Mais cela ne m'a pas empêché d'aller de l'avant. Je me rappelle, beaucoup d'amis me disaient à partir du pays, mais il faut faire des cours d'anglais. Mais sachant que l'anglais est une langue vivante, j'ai donc appris l'anglais au jour le jour. Et en attendant une inscription à la faculté de médecine. Donc voilà, je me suis retrouvé dans un quartier noir, blanc. Il y a même un arrêt qu'on appelait black and white, donc noir et blanc. Et pourquoi black and white? Bon, c'est parce que en traversant ce quartier, il y avait un quartier noir et c'était un quartier blanc. Et en passant le quartier blanc, il y avait un quartier noir. Donc c'était black and white. Ça, c'était l'arrêt de bus. Ok. Donc voilà. Donc je me retrouve à Pretoria West et en correspondance avec la faculté de médecine qu'on appelait Medunsa. Qui veut donc dire Medical University of Southern Africa, Southern parce que ça, c'est une faculté qui a accepté des ressortissants de l'Afrique australe. Southern, c'est Afrique australe. Et donc, voilà, je me retrouve à Pretoria West, qui est à pratiquement 8 à 10 km du centre-ville de Pretoria. Et lorsque vous êtes arrivé, est-ce qu'il y avait bien des Congolais déjà installés dans la ville de Pretoria? Ou, en fait, quelle était la communauté qui était mieux installée? Et s'il y avait des Congolais de Brazzaville aussi dans la ville? Oui, la forte communauté était beaucoup plus la communauté du Congolais démocratique, de RDC. Je n'ai retrouvé que deux Congolais de Brazzaville qui étaient dans la ville, que j'ai rencontrés d'ailleurs par hasard. Et aussi les membres de l'ambassade du Congo. Ils étaient à peine trois en ce temps. Ils venaient d'ouvrir l'ambassade. Donc ils étaient là sans leur famille, ils étaient tout seuls. Rappelez-vous, on est en 1994, l'Afrique du Sud sort de l'apartheid. Et c'était un peu risqué pour eux aussi d'amener toute leur famille. Donc c'était juste des diplomates qui étaient là. Et du coup, on a consolidé avec... avec ces deux Congolais, on a formé une famille d'emblée. On est restés unis, on passait les week-ends ensemble, on a passé assez de temps ensemble. Et voilà. Quoi. Et petit à petit, d'autres Congolais sont arrivés à Pretoria, on les a accueillis. Ils se connaissent. Hein. Et donc, si je vois bien, vous êtes parmi les trois premiers Congolais de Brazzaville, ici à Pretoria. Tout à fait. À moins que quelqu'un d'autre se cache quelque part, mais... étant seul quelque part, ne pouvant pas parler français, la recherche c'était de chercher le francophone. Okay. Le premier francophone que j'ai pu trouver, c'était des Congolais du Congo démocratique. Mais qui étaient déjà bien installés ici. Très bien installés parce que. Une forte communauté, bien sûr. Une très grande communauté. Ils sont arrivés en Afrique du Sud bien avant nous, les Congolais de Brazzaville. Et on allait dans une église protestante. Où le pasteur était du Congo démocratique. Et c'est par là où on a commencé à côtoyer les francophones, les Ivoiriens, les Gabonais. Et voilà. Bien, une fois installé,
pas totalement. Le plan était de garantir son inscription en faculté. Ce qui a été fait, par la grâce de Dieu, je dois dire, parce que je me rappelle, ma première inscription n'avait pas été acceptée. Et le système n'est pas comme celui du Congo, où la rentrée académique prend place à partir d'octobre, septembre-octobre. En Afrique du Sud, c'est à partir de janvier-février. Alors, en janvier 1995, je reçois une correspondance de la faculté qui dit que non, monsieur, vous n'êtes pas accepté. Oh. Sachant que mon but était d'être précisément en médecine, les amis ont suggéré, mais pourquoi ne pas aller dans d'autres domaines, informatique, en quittant Brazzaville, le Congo, je m'étais dit que j'allais pour la médecine. Et c'est en février, en mi-février, où j'ai pu avoir mon inscription en faculté de médecine. Et j'ai donc commencé en fin février, avec un grand retard. Alors, les difficultés que j'ai eu à poser, que j'ai eu à rencontrer, c'était beaucoup plus l'intégration avec les Sud-Africains. Parce que voyez-vous, quand vous vous retrouvez en Afrique du Sud, en cette période, il y a trois questions qu'on vous pose. D'où venez-vous? Que venez-vous faire en Afrique du Sud? Et quand rentrez-vous chez vous? Donc c'était les trois questions. C'est à l'université. À l'université et dans la ville. Et à cette époque, vous parliez déjà anglais, vous avez déjà appris l'anglais, c'est ça? Oui, avec les miettes qu'on a eu à apprendre au lycée, au collège. Oui, un tout petit peu, mais c'était pas vraiment ça. Hein, l'anglais, c'est une langue vivante, donc okay. On apprend tous les jours avec des contacts. Alors, d'où venez-vous? Que voulez-vous faire? Et quand repartez-vous chez vous? Voilà. Alors, y va. C'était les trois questions qui sortaient de la bouche de tous les Sud-Africains que vous rencontrez. Et encore, étant noir, le Sud-Africain vous approche en parlant sa langue native. Donc, il ne fait pas de différence que c'est un étranger. Et quand il vous rencontre, il vous parle dans sa langue maternelle. Et pour Pretoria, c'était le Tswana, le Soutou et le Zoulou. Donc, du coup, il fallait s'atteler à apprendre assez vite pour ne pas être identifié facilement. Et même le vestimentaire devait être un peu adopté. Hein, le Congolais est connu comme étant quelqu'un qui aime bien s'habiller, être très propre. Alors, pendant cette période, il ne fallait pas trop s'identifier comme étranger pour sa propre protection aussi et pour faciliter son intégration aussi. Et alors, à cette époque, vous portez quoi finalement? S'identifier à eux. Mais on était. On a des logs, c'est tout ça. Voilà, je vois des logs partout dans la ville. Pas du tout. Essaie de couper ses cheveux assez normalement, porter des jeans, des chemises. Hein, mais pour éviter surtout nos habits en peigne. Comme au Congo, on aime bien, certainement dû à la chaleur, au climat. Il fallait essayer de s'adapter et faciliter son intégration dans la société sud-africaine. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé même. Et du coup, vous avez commencé à l'université? Oui, je me retrouve donc à Medunsa en 1995, en première année de médecine, dans un auditorium qui avait un décor complètement différent de ce que j'avais laissé à l'INSA, qui plus tard était devenu faculté des sciences de la santé. C'était complètement différent et voilà, j'ai pris à partir de là et avancé. De la relation entre les deux communautés, plus particulièrement la communauté sud-africaine et la communauté étrangère, mais à l'université. Comment ça se passait là-bas à cette époque où on sortait de l'apartheid? À l'université, j'ai eu cette chance, il faut dire, de me retrouver dans une université où il y avait des étudiants qui venaient de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud et dans beaucoup de parties de l'Afrique du Sud. Et j'ai eu à rencontrer d'autres communautés, communauté rwandaise, communauté zaïroise en ce temps-là, zimbabwéenne, namibienne.
Et du coup, étant étrangers, nous avions comme formé une sorte de club au sein de l'université, qu'on appelait même ISD. Je me rappelle être cofondateur parce que il y avait des normes qui étaient instituées par la faculté, disant que étant étranger, les frais scolaires devaient être doubles pour les étrangers. Ça, c'était une difficulté. Mmh. Alors, sortant d'un pays pas aussi bien organisé comme on le connaissait à cette époque, alors s'il faut payer 10 000 francs, si les frais scolaires étaient 10 000 francs pour les Sud-Africains, ça se retrouvait à 20 000 francs pour nous étrangers. Alors du coup, on s'est organisé en association d'étudiants étrangers pour combattre ça. Et encore, par la grâce de Dieu, nous avons réussi. Et on nous a apporté gain de cause. Et voilà. Alors dans les annales de l'université, on devrait parler de vous. Parce que vous avez quand même fait à ce qu'aujourd'hui, cette génération arrive à étudier sans problème avec des frais au même niveau que les Sud-Africains. Et ça, ça a félicité. Juste une parenthèse. Ok, on y va. Vous avez réussi. Et après, qu'est-ce qui se passe entre la communauté sud-africaine et étrangère? Bon, ce que j'ai appris de l'Afrique du Sud, c'est de savoir s'intégrer. Une fois intégré dans la communauté sud-africaine, il vous accepte. Il vous accepte, mais il n'oublie pas vos origines. Vos origines restent. Mais quand vous montrez cette volonté de faire partie des leurs, il vous accepte assez facilement. Et alors, dites-nous, lorsque vous parlez d'intégration, c'est quoi l'intégration pour vous ici? L'intégration, c'est étudier la culture sud-africaine, apprendre la langue sud-africaine. Et la langue quoi? La langue anglaise ou bien leur langue ethnique? Non, la langue locale, pas la langue anglaise. Rappelez-vous, la langue anglaise n'est pas sud-africaine. Ils ont 11 langues officielles. Ok, comme donc, quoi, allez-y. Selon la province dans laquelle vous vous trouvez, il y a une dominance de certaines langues. Ok, Pretoria ici. Pour Pretoria, c'était beaucoup plus le Tswana, le Soutou, le Zulu. Et donc vous parlez une des langues ou les trois? À ce jour, je peux avec confort dire que je m'en sors très bien avec les trois langues. Ah bon, félicitations alors pour un Congolais. Ok. Dites-nous, et les frais d'études, comme vous dites, voilà, il fallait payer quand même tout cela. Et vos frais d'études étaient payés, financés par vous-même, ici, en faisant des petits jobs, comme je vois certains, ou bien c'était, ça provenait du pays, vos frais scolaires. Alors, dites-nous ce que... Voilà. Dans un premier temps, les frais scolaires provenaient du pays. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement ma très chère mère qui s'est retrouvée toute seule avec ses enfants après la mort de son très cher époux. Et elle m'a soutenu. Mais malheureusement, j'ai dit que j'ai commencé en 95. Et deux, trois ans après, avec ce qui s'est passé dans le pays, il y a eu coupure. Tu te retrouves seul et il faut aller de l'avant. Donc du coup, il fallait bien trouver des voies et moyens pour, mais de manière légale. La légalité était très importante. Faire des petits jobs, comme vous avez dit. Une chose que je n'ai pas oubliée, c'est en partant du Congo, Brazzaville, je me suis efforcé à obtenir mon permis de conduire. Et ce permis de conduire a été une sorte de passeport, parce que je me suis retrouvé à l'ambassade du Cameroun en train de jouer. J'ai conduit un diplomate pendant quelques temps, et ça a amené un peu d'argent pour permettre de payer les frais scolaires. Et puis, et là, vous combinez les deux, donc une étude en même temps, job. Oui, tout à fait. En sortant de la faculté, il fallait aller travailler. Les week-ends, tu vas faire un petit boulot et puis dans la soirée, tu rentres au campus pour bouquiner, hein, étudier. Parce que le but, c'était de réussir à tout prix.
c'était pas si mécon. La question qui m'a poussé à aller de l'avant, c'était quand, pas si. Le si n'était c'était pas la question, c'était quand. Parce que j'avais en tête que j'aboutirais et par la grâce de Dieu encore, j'ai abouti. Okay. Vous avez eu vos diplômes. Juste les gens se sont informés, vous êtes médecin ici en Afrique du Sud. Depuis je ne sais combien de temps, vous allez nous parler de ça. Et pour information, donc, vous êtes médecin ici, vous avez eu votre doctorat ici en Afrique du Sud et vous exercez. Et parlez-nous un peu de ce passage, donc diplôme et après, voilà. Oui, en effet, commençant en 95, j'ai donc terminé en 2001, où j'ai obtenu mon diplôme de, on appelle ici MBCHP, donc c'est un bachelor in medicine et un bachelor in surgery. Donc, ça vous permet de pratiquer la médecine et la chirurgie en même temps. Et même à la fin de cette formation, les autorités sud-africaines nous demandaient de rentrer chez nous pour faire notre internat. Et j'ai été l'un des chanceux à avoir une place en Afrique du Sud. Les autres étrangers qui étaient avec moi, certains sont rentrés en Namibie, d'autres sont rentrés au Zimbabwe. Mais j'ai eu un poste d'interne dans un hôpital à pratiquement 100 km de Pretoria. Et c'est là où j'ai passé mon internat. Et après l'internat, je me suis retrouvé près du Swaziland, à 30 km de la frontière du Swaziland, dans une communauté sud-africaine aussi, parce que la politique sud-africaine, c'était de... les Sud-Africains ne veulent pas aller travailler en brousse. Donc du coup, ils s'accaparent de ceux qui n'ont pas trop de choix et on les envoie dans les brousses. Donc je me suis retrouvé en brousse pendant 12 mois, pardon. Et pour ça, vous n'avez pas peur, la relation déjà qui est, dont on le dit, tumultueuse entre les étrangers et puis les Sud-Africains en province, vous ne voyez pas le risque? Oui, le risque y est, mais c'est le risque qui est là à prendre. C'est ça ou rien. Parce que s'il fallait rentrer faire son internat au Congo, ce n'était pas évident. Donc c'était le risque à prendre et ça s'est bien passé. Et après les 12 ans de service communautaire, je me suis rapproché encore de Pretoria, où j'exerce depuis tout ce temps. Autour de Pretoria. Pas dans Pretoria, mais autour de Pretoria. Ok. Et ça a été facile pour vous d'avoir finalement ce job ici ou Une fois dans le système, hein, c'est un peu l'avantage qu'il y a en Afrique du Sud. Étant dans le système, je suis resté dans la même province et le passage entre le premier hôpital, le deuxième et le troisième, c'était assez facile. Et surtout que je m'étais attelé à m'intégrer. Donc, comme j'ai dit, à parler les langues, certains ne croyaient même pas que j'étais congolais étranger. Ils se disaient que je suis sud-africain. Ah oui, avec ses lunettes, bien sûr. Okay. Donc, beaucoup se disent que j'étais sud-africain. Et quand je leur dis non, mais je suis du Congo Brazzaville, ils disent, c'est pas possible. Comment ça, tu arrives à parler la langue, tu ne te fais pas distinguer comme étant un étranger. Donc, alors, on parlerait dans ce cadre d'une bonne intégration d'un Congolais ici à Pretoria. Et voilà. Études finies, vous avez eu votre diplôme, vous avez ce qu'un homme doit avoir après, c'est le diplôme. Et après, je pense qu'un homme doit avoir une famille. Et nous constatons ici chez vous, il y a trois beaux enfants, trois beaux petits-enfants qui tournent partout, et une très très belle femme. Et alors vous avez pris finalement une Sud-Africaine, je suppose, c'est ce que les gens m'ont fait comprendre. Correction. Ah bon? Une Congolaise. Ah, une Congolaise. Écoutez, parlez-nous de ça. Ce petit parc, ce petit trajet des études finies, diplôme, et voilà, une famille, quoi, en fait. On aimerait comprendre comment ça se passe. Bien entendu, quand on voit la porte de sortie, il faut bien organiser la sortie. Et il était évident que, en commençant le travail, il fallait créer une famille. Et je me suis rabattu au pays. C'est un choix personnel. Ah bon, mais pourquoi pas, l'Afrique, si vous êtes ici, vous vivez ici, l'intégration dont vous parlez, ça devrait être peut-être ici l'Afrique. Oui, disons que c'est
beaucoup plus un choix personnel. C'est une relation que j'ai eue étant au pays. Et nous avions de projet d'être ensemble dans le futur. Alors j'ai juste honoré à cela. Ce n'est pas pour dire qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de femmes. Il y a de très belles femmes. Pour ceux qui viennent en Afrique du Sud, ils vont les voir. Ah ouais, je saurais le témoigner, j'en ai vu. En tout cas, Mais c'est pas ce qui manque. mon choix a été celui-là, continuer avec ce dont j'avais commencé. Et elle m'a accordé cette grâce. Elle m'a soutenu pendant l'après-étude. Et on est ensemble, des jolis enfants, comme vous avez bien su le dire. Et ça va, on se débrouille, on continue à se bagarrer. Voilà quoi. Et on dirait que ça n'a pas été facile, hein, parce que et lorsque nous regardons autour de nous cette belle villa aujourd'hui, c'est vrai que c'est le fruit du travail bien fait. Et on aimerait quand même savoir comment bien savoir si ça a été facile pour vous de s'installer après combien d'années vous êtes fait une vie tranquille en famille. Bon, mais tout ce qui est facile ne dure pas. Tout ce qui est facile ne dure pas. Alors, il faut un travail et un travail honnête. Et surtout dans la légalité. J'insiste dessus parce que j'ai vu beaucoup d'amis congolais ou étrangers qui se sont enfoncés en voulant prendre. Quand on parle de messages que vous passez aux Congolais qui ont toujours une image négative de l'Afrique du Sud parce que c'est ce qui court. Mais quel est le message à passer aux Congolais? Dernier mot. Oui, bon, pour frères congolais, je voudrais en fait les encourager à bien visiter ce pays. C'est un très beau pays avec beaucoup d'opportunités, plein d'opportunités d'ailleurs. Les investisseurs, les hommes d'affaires, les étudiants, on peut beaucoup apprendre de ce pays et apporter beaucoup pour notre très cher Congo aussi. Alors, mais comme j'ai dit un peu plus haut, la discipline, le sérieux, et voilà quoi. Et à propos des quartiers, on parle d'insécurité dans ce pays, que pouvez-vous dire à propos de l'insécurité ici? Bon, l'insécurité, c'est un peu partout Parce que l'Afrique du d'ailleurs. Sud colle, l'image qui colle l'Afrique du Sud, c'est l'insécurité. À une L'insécurité. pluie nous mène à menace, je pense qu'on va peut-être arrêter d'un moment à l'autre. Oui, l'insécurité, c'est partout, dans tout pays, Afrique, Europe, Asie, Amérique. Il y a certaines zones à haut risque, mais il faut savoir se tenir, être prudent, même à Brazzaville, il doit y avoir des zones où on ne va pas s'aventurer à être très tard. Mais bon, pour l'Afrique du Sud, c'est vrai, avec l'histoire qu'elle a vécue, il y a des zones où il faut éviter de s'y rendre très tard et seul. Mais dans l'ensemble, dans le gros, c'est un très bon pays avec beaucoup d'opportunités et on peut apprendre beaucoup à travers les Sud-Africains. Et vos enfants se sentent-ils congolais ou sud-africains? Les deux. Le premier fiston, il dit je suis congolais sud-africain. Il s'est appelé congolais sud-africain. Il parle français, il parle anglais. Il a été au Congo, il mange Congo, il mange le manioc. Il aime bien la nourriture du pays et en tant que parent, on s'efforce à lui faire connaître la culture de son pays d'origine. Et chez vous, vous parlez français ou anglais? Parce que Les deux. les deux. Les deux. Ok, et pour les enfants, c'est vrai que c'est plus l'anglais. C'est vrai que c'est plus anglais, mais à bas âge, il est très facile d'apprendre les langues. C'est pourquoi on s'attelle et on s'efforce à leur parler français, anglais, Mundukutuba, Lingala et bien d'autres langues qui peuvent exister dans notre pays. Ok. I am the son of Kevin and Oh. He is the son of Lemendo. Okay, in French, you can speak? Yes, a bit. Okay, go to French. How are you? Je suis bien. Okay, are you the son of Kevin? Kevin? Kevin est le son de Lemendo. Okay. Okay.
Allez, mais on est à Pretoria, au nord de Pretoria. Je vous exhorte alors à tous visiter l'Afrique du Sud. Un très beau pays, plein d'opportunités. L'Europe, c'est bien, mais je crois que l'Afrique, c'est proche de chez nous et on est africain. Alors, à tous les frères, toutes les sœurs, au Congo-Brazzaville, voilà le décor dans lequel nous sommes. C'est ouvert à tout le monde, c'est permis à tout le monde. Alors, je vous en prie, venez visiter, découvrir, et vous n'allez pas être déçus, quoi. Donc, voilà. Voir un Africain, en fait un Congolais, un étranger avec une très belle voiture en train de rouler, ça crée pas de la jalousie en fait, vis-à-vis de vous? Les Sud-Africains, c'est des bâtons, hein, ils se bagarrent eux aussi. Alors, c'est vrai qu'il y en a, hein, ceux qui ne sont pas, qui ne peuvent pas arriver à ce niveau aussi, il faut appeler ainsi. Ils se disent, mais celui-là, il vient d'où, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vit dans mon futur? Il vit dans mon futur, comment ça? c'est vrai, ça arrive à tout le monde, même moi si je vois quelqu'un aussi jeune s'en sortir. Mais s'il travaille, il est légite. Il n'y a pas de souci, quoi. Ok. L'illégalité, en fait. Voilà, l'illégalité. Lorsque tu plonges dans l'illégalité dans ce pays, tu es perdu, quoi. Tu travailles, tu as ce que tu veux. On te donne tout, hein. Tu t'organises et puis tu es à l'aise. Okay. Alors, si tu te lances dans l'alcool, les femmes, la drogue, ben, c'est la dérive. Et ces choses-là sont disponibles dans ce pays. Très disponibles. La drogue et tout ce qui s'ensuit. Oui. Maintenant, c'est à toi de faire le choix, savoir ce que tu veux. Et si tu travailles légalement, bon, voilà, tu te retrouves. Et donc les Africains, on parlerait des Congolais qui sont dans les, plus particulièrement à Yeovil, je crois qu'ils appellent ça downtown, les quartiers centre-ville là-bas qui aujourd'hui inondés par les Africains, ceux-là, pourquoi est-ce que veux-tu toujours vivre dans la communauté? Pourquoi? Bon, certainement s'ils sont en groupe, ça rend la vie un peu plus facile. En termes de loyer, par exemple, c'est plus facile de partager le loyer. Ça revient moins cher plutôt que d'être solo. Ok. Donc, ce qui fait que les gens s'agglutinent. Ils veulent être ensemble pour. Et selon aussi la poche, selon ce qu'ils arrivent à reporter à la fin de la journée. Et ça, ça ne les permet pas de mieux s'en sortir, hein, par exemple. Ou s'intégrer, peut-être. Il faut avoir son espace. Il faut savoir ce qu'on veut, avoir des objectifs et puis on s'en sort. C'est, je crois, valide pour tout, hein, tout ce qu'on fait dans la vie. Objectif et puis discipline, tu t'en sors. Il y a toujours des bas, des hauts et des bas, mais aller de l'avant. Les bas sont là pour nous rendre plus forts. C'est pas toujours rose. Est-ce que ça vous tente un jour de rentrer au pays, vous installer? Oui, tout à fait. On a beaucoup de choses à faire au pays et on a cet avantage, il faut dire, d'être ici où on apprend et on peut copier et amener au pays. Mais les projets, ils sont et ça reste dans nos cœurs. Oui, je compte bien rentrer un jour. Et ce sera plus facile pour vous après ces années passées à l'extérieur? Vous perdez un peu de réalité quand même. Certainement pas. Est-ce que vous y allez de temps en temps au pays? Oui, j'y vais pas. Je m'efforce à y aller une fois par année. Sinon deux fois quand je peux. Mais avec la réalité locale, le nombre de congés, c'est le nombre de jours qu'on nous accorde au boulot, bon, on ne peut pas se taper ce luxe de se déplacer assez souvent. Mais au moins une fois par année, je m'efforce. Mettre les pieds au pays.
c'est nécessaire parce que faut pas se détacher complètement. Il faut toujours avoir un pied, une base. On est étranger ici, hein, qu'on ne veuille pas. Un bonjour, ils peuvent dire, bon allez, tous ceux qui sont, même si vous avez des papiers sud-africains, mais vous restez étranger. Mais personne ne va me chasser chez moi. Personne. Donc oui, c'est vrai. J'ai ces ambitions. Beaucoup de choses en tête. Et on espère que ces choses pourront se réaliser. Et pour vos enfants, pensez-vous vraiment qu'ils s'adapteront aussi facilement après, bon, les enfants n'ont pas eu l'expérience que j'ai eue. Ils ont l'expérience sud-africaine. Et c'est ce qui reste en eux. Moi, j'ai deux expériences, l'expérience du pays et l'expérience de l'Afrique du Sud. Donc, je peux m'adapter facilement. Et ils grandissent. Une fois qu'ils atteignent un certain âge, ils deviennent indépendants. Donc, on n'a plus à les tirer à gauche et à droite. Ils vont se débrouiller aussi. Mais ils se sentent plus sud-africains que congolais. C'est vrai, comme vous avez dit, votre fils se sent congolais. Mais le fait de passer toute son enfance ici, ses études et tout ce qui s'en suit. C'est pourquoi d'ailleurs ensemble au pays l'an passé. Ah oui, je vous ai vu, on s'est rencontrés. C'est dans ce but là, il doit apprendre à manger le poisson salé, le manioc, le saka saka, qu'il adore d'ailleurs. Ouais, il mange le manioc comme du fromage, il le mange comme ça. Ah bon. Donc il faut toujours les rapprocher de leurs racines. Très très important, je crois. Très important. Ah mais si, c'est très important. De saute ta vitre. Vitre. Allez, au revoir. Allez, au revoir, à la prochaine. À la prochaine, merci. Nous étions ici à Pretoria, chez Kevin Bagabana, qui nous a fait visiter son home. Nous avons pris connaissance de là, et même fait visiter la ville de Pretoria. C'est extraordinaire. Sincèrement, nous vous demandons tous de venir visiter la ville de Johannesburg, Pretoria et Cape Town. C'est super, I love it, I like it. Ok, merci à vous. Prochainement, nous irons à notre Congolais de Brazzaville, vivant ici à Johannesburg ou de Kinshasa. Nous sommes ensemble. Allez, c'est parti, merci, au revoir.